On démarre aujourd'hui cette dernière émission de Solidaires d'abord. Voilà. Il y a, comme d'habitude, trop de choses à dire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oh, ah, punaise, oui. On a l'impression que, entre la déclaration de Macron hier soir, voilà, qui est très sujette à caution, apparemment, hein, entre... Ici, il est doué, le mec. Oui. À proximité, il y a un problème de ZAD, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà. Demain, il y a une manif à l'hôpital de Benin. Enfin, on va parler de tout ça. On va parler des violences policières, bien sûr. Et on va parler de, peut-être, des images que l'on pourrait se faire sur la violence, hein. Enfin, bon, on va parler de plein de choses, quoi. Voilà. Alors... Jean-Claude, peut-être tu commences avec ce que nous a dit Macron hier soir, puisque toi tu as écouté. moi j'ai du mal, j'arrive pas à l'écouter. C'est-à-dire, Macron avait fait courir le bruit qu'il pouvait démissionner. Ah bon ? Ça avait paru dans la presse. Alors peut-être c'était pour attirer de l'audience. Non, tu sais qu'il y avait un vrai argument, c'est qu'il a fait ça face à ses investisseurs. Hein, en disant que si mes investisseurs me demandent des comptes, je peux leur dire que c'est le bon moment pour me faire réélire. Oui, mais bon, c'était quand même de la communication d'appel, mm-hmm, pour essayer de faire un peu plus d'audience, peut-être. Alors, en gros, c'est vrai que moi, je l'ai regardé surtout parce qu'il y avait mon petit-fils qui tenait à le regarder. Bon, il a quand même 20 ans. Hein. Et qui fait un peu des études en sciences économiques, politiques, etc. Donc il voulait le regarder. Hein. Donc du coup, j'ai regardé avec pour commenter. Et moi, je dirais qu'en gros, il n'a rien dit. Il n'a rien dit si ce n'est de la com, quoi. Oui, mais et puis ici, il a dit... Pas d'impôts nouveaux, quoi. Fait pas d'impôts. Pas d'augmentation d'impôts. Ou... C'est à quoi tu faisais des commentaires. Oui, on n'est pas obligé de monter les impôts, on peut les créer. Oui, voilà. On joue sur les mots. Ou plutôt des taxes, Des taxes. C'est pas impôts, c'est taxes. Là, d'autant plus que, par exemple, actuellement, je crois que l'Assemblée nationale est en train de se pencher sur la Sécu. Et le gouffre de la Sécu, puisque là, on peut parler de gouffre. Étant donné que chaque fois qu'on enlève des cotisations sociales, on creuse le gouffre de la Sécu. Donc, peut-être dans le cadre de la réflexion sur le gouffre de la Sécu, ils vont émettre des taxes comme il y en a eu beaucoup. Hein, alors, on pourrait rétablir l'ISF. Hein. Bon, enfin, bref. Ah, mais ça, non. Alors, l'ISF, non. Alors, Darmanin a encore bien confirmé ce matin. Et lui, il a dit pas d'augmentation d'impôts. Darmanin, il était clair. Tu sais que dans les autres pays d'Europe, et même avec, il paraît que ça s'est même discuté à la Commission européenne, que dans les autres pays d'Europe, ils sont d'accord pour que ce soit les grandes fortunes qui participent à payer le corona. Mais chez nous, non. Chez nous, non. Autocongratulation. Ah oui, là, il s'est autocongratulé. Tout le temps, pratiquement, renvoyé comme il a bien fait, comme ça a été bien mené. Quand il a décidé le déconfinement, c'était même contre l'avis du conseil scientifique. Ouais. Et il a eu raison, ouais. Le brave homme. Il n'a pas dit que c'était lui, tu vois. C'est ça que je veux dire, qu'il est salaud. Il a dit à la France, les citoyens ont suivi, etc. Et chaque fois, il englobe... bien sûr, il est là, c'est lui qui cause... Mais il englobe, toi, la nation, les machins qui ont suivi, etc. Ça... Félicitations aux citoyens. Il a laissé supposer qu'on allait travailler plus pour pouvoir payer. Voilà, c'est quand même sur le chemin qu'il a tracé, en tout cas qu'il veut tracer, puisqu'il n'a pas dit quel chemin il allait tracer. Mais sur ce chemin-là, on a quand même cru comprendre qu'il faudrait travailler plus. Alors, on a un deuxième sujet, c'est que demain, mardi 16 juin, alors, je dis ça parce que l'émission va être rediffusée plusieurs fois, donc je précise la date de la première fois où on l'a fait. Demain, mardi 16 juin, à 14h, à l'hôpital d'Aubenas, et à 14h30, à l'Argentière, à l'hôpital de l'Argentière, de Villeneuve-de-Berg et de Joyeuse, il y a des manifs qui sont programmées. Ces manifs sont permises puisque le Conseil d'État, tu disais, Denis... Ouais. Plus de 5000 personnes. Jusqu'à 5000 personnes. Jusqu'à 5000 personnes permet les manifestations. Et donc, ces manifestations sont des manifestations qui ne sont pas que pour la santé. Hein. Mmh. Ça non, va être...
La défense de l'hôpital, la défense de, du coup de, ben des malades, de ceux qui ont besoin de l'hôpital. Système de soins. Protection sociale en général. Mais, mais oui, mais on a vu qu'il y avait des appels donc, de syndicats qui étaient plus larges que seulement la santé. Oui. Hein, voilà. Ils ont bien dit, tous ceux qui applaudissent, venez maintenant nous soutenir. Voilà, c'est ça. Bon, alors, c'est vrai que y a ce Ségur de la santé qui est derrière, avec, avec tout ce que ça peut représenter, il faut quand même qu'on en parle un petit peu, avec Nicole Nota qui se retrouve à la tête de ce Ségur de la santé, Nicole Nota que l'on connaît bien, pour ceux qui sont trop jeunes pour l'avoir connue avant, dites-vous bien qu'il nous ressorte là une momie qui a fait du mal, mais qui a fait vraiment du mal, qui a été à la tête de la CFDT quand... alors la CFDT a toujours été la quand première assez... réforme des retraites. Voilà, elle a toujours été craignos, mais Nicole Nota a été le fer de lance Et donc depuis longtemps, la CFDT est un syndicat qui est quand même assez traître, on va dire, socialement traître. Hein, bon, mais alors Nicole Nota, ça a été une pure et dure pour faire rentrer ce truc. Et dernièrement, elle était quand même présidente du siècle. Oui, elle était présidente du siècle. Là, le siècle, toi, Jean-Claude, ça te parle. Alors, le siècle, ben, disons, c'est une de ces... comment peut-on appeler ça? C'est pas un think tank, c'est une espèce de club qui regroupe, en fait, les élites. Voilà. Les élites, que ce soit intellectuelles, enfin, autodéclarées, élites autodéclarées, oui, mais économiques... Mais pas les élites de n'importe quel bord. Ah non, non, les élites plutôt libérales, pour qu'elles puissent échanger, prendre chacune conscience des enjeux, nanana, nanana. Mmh. En gros, c'est pour... dans le mythe de cette modernité qui cadrerait très bien avec l'Union européenne, par exemple. Donc, effectivement, c'est... Y a un auteur qui avait fait un film, là, il les appelait, attends, les chiens de garde. Tous ces membres-là de ces clubs, c'est des chiens de garde. Alors, en plus, pour y aller, il faut être... promu, proposé par d'autres membres. Il faut être parrainé. Quoi. Oui, il faut être parrainé. Et alors, Nicole Nota, évidemment, avec tout son arrière-plan d'avoir conduit la CFDT lors de la réforme des retraites qu'elle avait soutenue en 95. Et d'ailleurs, c'était à cette époque-là que s'était créé le fameux syndicat dissident de la CFDT Sud. Le syndicat Sud. Sud qui a claqué la porte du Ségur de la santé. Oui, voilà. Par exemple. Parce que, bon, voilà, c'est déjà d'entrée, Nota est parti sur un discours qui était trop libéral pour eux. Alors, il faut voir aussi, quand même, que Nicole Nota, quand elle a quitté la CFDT, il a trouvé un poste. Alors, ses chers amis, peut-être du siècle. Alors, à l'époque, elle n'était pas présidente du siècle. Mais ils ont trouvé un poste dans la finance éthique. Alors, où elle était parrainée par Ron Poulenc, etc. Enfin, tous les grands groupes du CAC 40. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'on ne peut attendre que du bien de ces réformes qui sont menées par elle. C'est sûr que le capitalisme vert, pour elle, ça ne fait aucun doute. Vert et même social, peut-être. Bon, je passe au troisième sujet, parce que comme on a beaucoup de choses à dire, il faut que je vous astique. Alors, donc, il faut parler de la ZAD, puisqu'il y a eu une ZAD qui s'est créée à Saint-Pierre-de-Colombier. En Ardèche. En Ardèche. ça fait pas longtemps que cette ZAD s'est créée. Hein, elle s'est créée vendredi... elle a été prévue en gros dans la semaine dernière, elle s'est créée vraiment vendredi, elle aura eu que 3 jours d'existence vraiment pour l'instant, parce que peut-être que le combat n'est pas fini, puisque elle a été évacuée tout à l'heure en début d'après-midi, aujourd'hui lundi le 15 mars. Et pourquoi cette ZAD? Alors cette ZAD en lutte contre à Saint-Pierre-de-Colombier contre en fait la construction d'une basilique, enfin maintenant ils disent plus basilique parce que ça fait pas bien, ça fait trop gros. Alors ils ont dit, c'est une chapelle. Enfin, la petite chapelle de 50 mètres de haut quand même, et qui accueille 3500 personnes, quoi, tu vois. À 21 millions d'euros le coût apparemment, quand même. Donc, il y a des problèmes
dans ce petit coin, c'est une petite vallée, Saint-Pierre-de-Colombier, comme tu rappelais, hein, Jean-Louis. Oui, maximum 500 habitants. Oui, il doit y avoir 400 votants et encore, je ne suis pas sûr. Pas, Et bon, on va dire 300. Et dans les 300, il y en a 250 qui votent vraiment, et je suis gentil. Okay. Et il y en a 120 qui votent pour la congrégation, machin, qui fait construire la chapelle en question. Mm-hmm. Donc le maire, effectivement, est forcément élu par eux. Puisqu'il est élu par eux, il les défend. Et donc, il a pris un arrêté communal, et c'est ça qui est complètement surréaliste, il a pris un arrêté communal comme quoi on n'a pas le droit d'aller dans la commune de Saint-Pierre-de-Colombier depuis 2 jours. Moi, je suis allé faire des images hier pour un site qui s'appelle Pluriel, et pour pouvoir passer, j'ai fait une demi-heure de chemin dans la montagne, quoi. Tu vois, pour pouvoir passer. Et donc là, bah, y a le mec qui explique. Donc il y a des gros problèmes quand même. Un problème écologique, puisqu'il y a des espèces protégées. Donc il y a la Frapna qui a été partenaire de leur truc. Il y a des espèces protégées qui vont être fragilisées, au moins. Il y a un problème économique, puisque bon, donc le financement se fait par des dons. Et les gens auront la procédure, on va dire, financière. D'impôt, quoi. Voilà, ils ont 60% de crédit d'impôt sur les dons qu'ils font. Il y a un problème démocratique, ça, je viens d'en parler, hein, c'est-à-dire que qui élit qui là dans ce coin-là, avec les voix de qui, etc. Et puis il y a un problème de vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire que là, les gens, maintenant, ils sont dans la défiance. Ah, vous êtes dans quel camp? Vous êtes avec les curés? Alors, en plus, c'est les curés, parce que ils savent pas comment nommer les gens en question, puisque c'est une secte, en fait, hein, parce qu'elle a pas l'aval des autorités ecclésiastiques, hein, catholiques, on va dire. Alors, moi, je vais dire un truc, je vais peut-être me faire sabrer, mais de la secte qui a réussi, quoi. C'est la secte qui a pas encore réussi. T'as raison. C'est une mission. Mission. En plus, c'était sur le terrain agricole. Voilà. Alors, en plus, sur les meilleures terres du coin. Voilà. Alors là, tu as raison, Denis, de boucler l'affaire là-dessus. On va arrêter de parler de cette ZAD, mais sur les meilleures terres du coin. Une fois de plus, les terres agricoles sont sacrifiées. Voilà. Donc voilà, c'est une catastrophe. Et donc, ils ont demandé à pouvoir discuter de tout ça avec toutes les autorités compétentes, donc le préfet, le maire, les responsables de cette secte, les élus locaux, etc. Enfin, tout ça, voilà. On leur a retourné que oui, mais il ne fallait pas empêcher le chantier d'avancer, etc. Et donc, résultat, quand même, la secte a fini par dire qu'il vaut mieux les évacuer, quoi. J'ai fait court, hein, je raccourcis tout ça, mais en gros, c'est ça qui s'est passé. Alors, ça te rappelait quelque chose, Jean-Claude, puisque tu parlais d'un truc beaucoup plus large, d'une manif le 17 juin. Voilà, le 17 juin, donc, l'appel est paru dans Reporter, et puis sur pas mal de réseaux sociaux. Donc je reprends le texte, l'intitulé exact, c'est un appel à des actions de blocage et d'occupation contre la réintoxication du monde. Alors, en gros, si on précise un peu, c'est-à-dire on sort d'une crise, disons, sanitaire, et on s'apprête à balancer de tous les côtés, et l'exemple de la ZAD, la SANEA, construire une basilique avec des parkings, des retournements de cars, etc., qui ne sont pas utiles. Et alors que le réchauffement climatique, les enjeux liés au réchauffement climatique, et à la pollution, à l'environnement, nous amèneraient à infléchir les actions. Et donc l'appel ici, c'est bloquer tous les chantiers ou toutes les actions qui ne vont pas dans ce sens-là. Et c'est vrai que la ZAD, de ce côté-là, indépendamment de la secte, des aspects religieux, etc., ou économiques, mais rien qu'au niveau environnemental et au niveau bétonnage, parce que quand même, une église, même si ce n'est pas une basilique, mais avec des flèches, deux flèches de 50 mètres, ça en fait du béton, ou du matériel et de la pollution thermique, je dirais, quelque part, avec le ciment, avec tout ce travail qui est balancé, disons,
de façon purement inutile. Parce que dans ce coin-là, les 3500 personnes qui sont censées être accueillies, elles n'habitent pas sur place. En plus, elles viendraient, elles se déplaceraient. Avec des cars, avec des gros cars. Parce qu'il y a une église à Saint-Pierre-de-Colombier. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve que construire un tel monument, parce qu'on peut le dire, c'est un monument, dans ce coin-là, c'est dénaturer complètement l'environnement, indépendamment des espèces qu'on peut trouver ou pas. Mais c'est comme une verrue, je dirais, qu'on va construire. Ah, tout à fait d'accord. Parce que oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Quand je parlais du point écolo, tu parlais de quelques salamandres, un truc étrange. Moi, je suis contre ces arguments de la Frappena et d'autres, hein, pour bloquer des problèmes. Il y a des choses beaucoup plus, tu viens de le détailler, Jean-Claude, des choses beaucoup plus importantes qu'il soit. C'est pas parce que les salamandres se débrouillent comme elles peuvent, mais c'est pas déconner, quoi. C'est comme à Sivens et ses compagnies. On prend des trucs très marginaux, je veux dire, par rapport à l'équilibre général, hein, comme argument contre, etc. C'est pas bien. C'est pas bien d'être. Oui, sans oublier que c'est en zone. C'est la zone protégée parce que c'est dans le parc naturel des Monts d'Ardèche. Alors, le parc avait donné un avis défavorable, hein, et ils sont passés par-dessus. Des réserves, ils sont passés par-dessus sans problème. Et apparemment, tout ça s'est fait. Le dossier a avancé très très vite. Comme tu disais, Jean-Claude, ça serait un quidam n'importe lequel. On nous aurait demandé les couleurs de la peinture, etc. Les façades. Un particulier. Recalé le projet. Ils pourraient pas le faire, sûr. Alors que c'est passé comme une lettre à la poste en minimum de temps. Enfin, oui, c'est dénaturer complètement la notion de parc. Comme tu dis. Ah oui, c'est ça, plus rien. C'est plus la peine d'en parler, exactement. Bon, Denis, tu voulais nous faire un commentaire sur une vidéo qui apparemment t'a fait beaucoup d'effet. Voilà, je sais pas exactement. Bon, vas-y. Voilà, oui. Alors, donc, bon, je vais lire. Hein. Je regardais des vidéos qui tournent beaucoup sur YouTube, donc on en voit des vidéos. Il suffit d'aller sur YouTube, des vidéos, c'est pas ce qui manque. Ils étaient réunis, combien étaient-ils? Cela dépendait des prises de vue des caméras. Ils avaient tout à fait le droit d'être là, ils étaient chez eux aussi. Il y avait beaucoup de jeunes et d'adultes qui ne devaient qu'à vivre en harmonie avec la nature. Ils subissaient, comme beaucoup d'autres, le réchauffement climatique et les difficultés de se nourrir. Par-ci, par-là, quelques chamailleries éclataient, plus ou moins violentes. Il s'agissait de quelques individus plus excités et prêts à en découdre. Soudain, certains donnèrent l'alerte qu'un danger était peut-être imminent. Étaient-ils plus attentifs ou plus aguerris que les autres? Pourtant, le rassemblement n'y prêta guère attention. Une légère insouciance planait sur le groupe pacifique, mais le danger était bien là, bien vu, armé jusqu'aux dents, en train de les encercler et de les nasser. Quelques-uns bien visibles se déployaient sur un côté, tandis que d'autres étaient beaucoup plus discrets dans leur progression, mais ils étaient nettement plus dangereux encore. Et ce fut la charge. Panique parmi le rassemblement. Tous essayaient de fuir un péril parfois invisible. C'était un immense désordre, un affolement complet, une course sans suivi. Le groupe se disloqua. Un individu se trouva isolé. Il s'en fallut d'un chouïa pour qu'il leur échappe. À trois, ils tombèrent dessus. Un le saisit au niveau de la tête, l'autre du dos et le troisième des membres postérieurs. Tous vinrent s'agglutiner autour de leur prise. Mais la scène fut en partie cachée par l'attroupement et ce n'est que quelques braves qui revinrent après leur course folle sur leurs pas pour essayer de porter secours à la victime qui put échanger quelque chose. Ils firent vite recadrer par la posture d'un des assaillants, le mâle dominant qui semblait leur dire « Si vous n'êtes pas content, venez me chercher ». Ensuite, il se retourna festoyer. Bon, moi, je comprends pas très bien de quoi tu parles, Denis, quand tu nous cites cette vidéo. C'est quoi le truc exactement? Eh bien, je parle d'une attaque de lions et de lionnes sur un troupeau de zèbres. Pas très loin, six bêtes étaient là, en embuscade, en attendant le moment propice pour intervenir. Les hyènes voulaient aussi profiter de l'occasion. Déjà des vautours tournoyaient au-dessus. Ah bon, évidemment, moi, je n'avais pas compris parce que forcément, je pensais à quelque chose d'autre. Hein. Ah ouais? Ah bon? Tu vois, tout ce beau monde n'est pas compatible, mais complémentaire. Avis à tous les trolls et têtes d'œufs, je ne laisserai pas dire que j'ai vu de la violence ou de la haine, ou quelconque méchanceté, ou encore du mépris. J'étais contrarié par la fin de la vidéo, du coup j'ai voulu en regarder une autre.
C'était toujours des lions, mais ils s'attaquaient à des buffles qui s'étaient bien organisés et qui s'étaient mis en cercle, les uns contre les autres, et leur faisaient front. Tu vois, comme quoi, même si on est dominé individuellement, on peut en rester en solidaire et tous ensemble arriver à se défendre contre toutes les attaques des agresseurs. Alors donc c'est quasiment de la fable d'inspiration La Fontaine. Ce que tu voilà, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est très joli et c'est vrai que voilà, c'est très parlant, je trouve. Ouais, ben, c'est très parlant par rapport, entre autres, aux violences policières qu'on subit en ce moment. Voilà, oui, et puis avec la loi Aviac, on ne pourra plus citer, plus dire des choses. Louis XIV, c'était comme ça déjà. Ouais. C'était la royauté, on le savait au moins, c'était annoncé. C'était, voilà, on était en royauté. Là, maintenant, on arrive au même point, on ne pourra plus citer les choses et il faudra les cacher par des choses comme ça, par des tests pareils. On peut faire des digressions avec des textes qui parlent de la chose, mais qui n'en parlent pas voilà. Directement. Et la conclusion est, ouais. Est quand même très positive. Solidaire. Voilà. Malheureusement, est-ce que elle est suivie des faits dans la société réelle? Voilà. Ah ben c'est à nous de le prouver. Oui, oui, mais actuellement, est-ce que vraiment on a ce front qu'on aimerait voir? En tout cas, voilà, ça parle des violences policières. Oui, ah oui. Et c'est un sujet qui, depuis une petite dizaine de jours, un peu plus même maintenant, est vraiment dans l'actualité. Alors, oui. Moi, je trouve qu'il y a des allers-retours sans arrêt sur racisme, paracisme, violence des policiers. Mais finalement, les policiers, quand ils sont en masse, tout le monde commence à baisser pavillon, enfin, etc. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là? Il y a des commentaires à faire sur tout ça. Oui, violence policière, ben écoutez, M. Jacob, ben, il a dit, il n'y a pas de violence policière. Mais qui c'est qui a vu de violence policière? Mais c'est insensé. Il n'y a pas de violence policière. Ouais. Est-ce qu'il cherche une place de ministre dans le remaniement? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de violence policière. Alors, il y a aussi des syndicats de policiers ou le RN qui nous a expliqué que, quoi? Du racisme en France? Les mecs, ils étaient en train de s'étrangler. Ouais. Du racisme? Mais ça n'existe pas. Enfin. Hein, ouais. Ils étaient soutenus par la droite complète là. À droite complète. Alliance. Hein? Alliance qui soutient. Non, pas Alliance, Alliance. Un parti politique et qu'on à droite actuellement là. Oui, mais j'ai parlé. LR. Oui, par LR et par le RN. Mais LR, il l'a pas fait officiellement. Il l'a pas dit comme ça. Il a dit attention, il y a des violences, mais bon. Alors c'est vrai qu'on est sur le terrain politique quand même avec ça. Hein. Ouais, il paraît, oui. Toi oui. Jean-Claude, tu faisais référence à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, mais. Le racisme n'est pas forcément politique. Oui, lui. C'est-à-dire, enfin, c'est un fait, social, sociologique, le racisme. Alors après, si on regarde, par exemple, le mouvement noir américain, il a été politique à un moment donné. Oh ben oui. Et c'est vrai que la lutte antiraciste actuelle avec Black Lives Matter, il n'est plus politique. Il est en tout cas plus de la même manière. Parce plus de la même manière. C'est-à-dire, il est normalisé. Voilà. C'est-à-dire, il est soutenu par, d'après des sources bien informées en général, mais ça ne m'étonne pas. Il est soutenu par la Fondation Ford. Il a reçu aux États-Unis, je parle, 100 millions de dollars de la Fondation Ford. Alors, depuis 2013, de la Fondation Ford, de la Fondation Kellogg, de Soros, George Soros, et évidemment, il est soutenu également par le Parti démocrate. Donc tu vois, c'est pas politique, mais c'est politicien au moins. C'est utilisé. Voilà. C'est utilisé. Mais je dirais que chez nous, pareil, les manifestations, elles font quelque part. Parce que le pouvoir, lui, ce qu'il craint, c'est des manifestations qui vont faire, on peut dire, coaguler les luttes. Mmh. Or, on sait bien que la France ne soit pas raciste, entre guillemets, c'est pas autour de la lutte contre le racisme qu'il va y avoir une coagulation des luttes en France. Non, bien sûr. Non, mais au contraire, mais par contre, une élection présidentielle, oui. Ah, mais oui. Ça, c'est autre chose. Ben, non, mais d'autant plus que, bon, on l'avait déjà dit une fois, c'est vrai que le fait que globalement, et elle a raison, la gauche et l'extrême gauche vont soutenir la lutte antiraciste, mais dans l'opinion
générale, dans la majorité, entre guillemets, silencieuse, qui n'est pas raciste, entre guillemets, ça lui fait perdre des voix. On l'avait constaté une année avec Mélenchon, par avec exemple. Mélenchon qui avait perdu 5%. Quand il a fait son discours de Marseille. Oui, à Marseille. Hein, venez à nous, les frères du Maroc, de l'Algérie. Il avait perdu 5 points. 5%, le mec. Ouais, c'était terrible. Ah ouais, ouais. Et l'effet a été quasiment immédiat. Ah, immédiat. Donc, on pouvait les sondages. Ouais. Et là, c'est une forme de piège. Ouais. Et bon, ils entendent plein de pièges. Et c'est vrai que c'est les nouvelles méthodes de gestion politique par les partis de droite libéraux qui sont au pouvoir. C'est à la fois l'orchestration police-justice. On se sert, comme du temps de Napoléon Ier, de l'Empire. La police et la justice sont orchestrées. C'est-à-dire, on va mettre des plaintes, on va, etc., etc. Alors là, il semblerait qu'il y ait un peu... comme Darmanin qui a revu sa plainte. Je pense que là, il y a des robots. Mais il était au tribunal, quand même. Il est reparti au tribunal, t'as vu ? Oui, ça a été remis. Donc, pour finir sur ce que tu dis, on a vu quand même, au niveau des médias, des revirements sans arrêt entre le moment où on défendait quand même ces Américains, c'est quand même des affreux de faire du racisme comme ça, parce que voilà. Après, d'un coup, en France, il y a du racisme en France, et oui, on est bien obligé quand même d'en convenir. Bon, il n'y a pas des études sociologiques, mais sur les races, mais quand même, bon, voilà. Racisme, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a qu'une race humaine, à ma connaissance, hein, pour l'instant, déjà. Hein, je ne sais pas, hein, mais peut-être que je suis mal fichu, mais bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Parce qu'on est tous plus... On n'a pas exactement la même couleur, pas exactement pareil. Donc, déjà, rien que là. Ouais, mais toi, quand même, tu es un peu plus rose que moi. Là. C'est pas bon, ça. Hein, ça, c'est pas bon. Et bon, pour finir, vraiment, alors, donc, tous ces revirements, et puis, à un moment donné, on a l'impression que même les policiers sont instrumentalisés dans l'histoire, là. Par Macron, là, qui est en train de mettre des couvre-feux en disant « Ah, mais moi, je trouve que la police fait son métier. » Et en même temps, il va pas suffisamment loin pour certains. On sent bien que... C'est ça. On a mis d'un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Alors Castaner dit « La clé de coup, là, enfin, l'étranglement, c'est fini. » Oui, on va mettre le taser à la place. Voilà, le taser. Alors, le taser... C'est vrai qu'il y a pas mal de crises cardiaques avec le taser. On finit, tu dis. Non, mais les gendarmes ne font pas l'étranglement. Ouais. Et les gendarmes font respecter. Il y a des pays qui ne font pas non plus le plaquage ventral. On peut faire de la sécurité et d'encadrer les manifestations. Chez nous, ça, c'est pas remis en question. Pas plus que le LBD, pas plus que les grenades d'étranglement. Il y a des pays qui ne les utilisent pas et ça se passe bien chez eux. Seulement, bon, il y a peut-être un peu de dialogue. Jean-Louis, tu dis un dernier mot? Oui, je dis que le premier fautif de ça, tu dis, ce mélange des genres, c'est Sarko, qui a mis les gendarmes sous l'autorité générale du ministère de l'Intérieur à l'époque. Il a tout globalisé, et là les gendarmes n'étaient pas d'accord, mais ont fermé leur gueule, forcément. Il a mis sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Alors que les gendarmes, c'est l'armée. Non, c'est l'armée, mais il a dit non, c'est pas l'armée, hop. Hein. Or, donc, on a plus de possibilités de discuter avec les gendarmes. Ou avec d'autres militaires, que avec des policiers à qui on a donné l'ordre de taper à eux. Bon, alors à bientôt pour une discussion entre nous, pas forcément... bref, bonnes vacances. Ouais. Et puis nous, on va essayer de refaire un peu des émissions quand même dans l'été, si jamais il y a des événements qui... Ça n'a pas manqué. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, au revoir. Ciao. Thank you.